Bonsoir. Ils ne font rien qu'à nous faire des promesses qu'ils ne tiennent jamais. La seule chose qui les intéresse, c'est de passer à la télé. Tout pour bonnet, tout maquiller, ils viennent parler au journal. Pendant que monte du vent des cafés, le son de la chorale. Ah, 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 si tu pouvais fermer. Ça ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Et puis à moi, qui en fait partie aussi, faut toujours que je la ramène. Comme si on assez de conneries, vous j'y rajoute les miennes. Tout pomponnée, tout maquillée, je vous promets, je ne vous en voudrai pas. Vous avez le droit de vous décaffer, de chanter aussi pour moi. Venez nous rejoindre, cher Lara. Mais c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre. Mon amour. Mais c'est un chef-d'œuvre de d'interprétation, d'abord. Et puis deux, je me prends pas au sérieux, quoi. Deux, je me la pète pas. On avait parlé, alors c'est marrant, je pensais pas que tu me ferais ça, parce qu'on en avait parlé un jour dans une, dans les coulisses, et tu m'avais dit, moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Je dirais pas laquelle c'est. Mais qui ne l'aime pas. Voilà, c'est une petite pipe pour aller dormir, et elle m'a dit, j'aurais chanté avec plaisir avec un grand orchestre, mais c'est vrai, hein. Et celle-là, mais c'est vrai que c'est. Tu as dit, je voudrais saluer vraiment le talent. Non, moi je voulais savoir qui a fait l'arrangement. Voilà, c'est Yannick qui est. C'est Yannick. Tout à fait. Et puis je voudrais saluer les musiciens et en particulier les choristes qui étaient là ce soir. Ah ouais, ouais, ouais. Qui sont juste extraordinaires et qui m'ont vraiment porté dans cette c'est idée. C'est des sublimes. Mais on est quand même loin de votre répertoire, ma chère Lara. Ah, ça dépend. En plus, mais pourquoi vous avez accepté de en plus, ma Lara, excuse-moi, je t'ai rarement vue aussi. Elle est super. Lumineuse, aussi ouais, belle. Belle. Oh, merci. Ah ouais. Gentil, ouais. Elle est magnifique. Merci. Alors, c'est impressionnant parce que, et en même temps, là, pour le coup, on sent qu'il y a un message quand même. Ça s'adressait un peu aux politiques.
ça s'adressait aux politiques et puis à moi. T'as vu le couplet à la fin. Dites-le-moi à moi. Mais oui. C'est ça voilà. Que j'adore. C'est que moi aussi, j'ai pu le chanter, tu vois. Ouais. Ça, et je trouve que c'est magique de pouvoir, à un moment donné, avoir cette autodérision et se dire, mais tu vas la fermer ou tu pas vas te taire, tu vas te taire, une bonne fois pour toutes. Tu es sublime. Tu es sublime. Je suis fasciné en plus souvent, par... Souvent, Lara, vous étiez invitée dans les émissions de Patrick. Oui. C'est toujours un moment joyeux, non quand on C'est est... toujours la fête. Et c'est là aussi un moment où on peut juste être soi et profiter de ce qui se passe autour de soi. On n'est pas là forcément pour vendre sa salade, justement, comme tu dis dans la chanson. On est et puis là j'essaie pour... d'être bienveillant avec les artistes. Mais tu l'es. Moi, j'ai toujours cru dans cette fille. Elle a une âme et une voix formidables. C'est normal le succès qu'elle a. C'est normal. Mmh. Moi, j'ai les poils qui se restent sur les bras quand je l'écoute. Voilà, c'est tout. C'est et, tout bête. Et ça ne va pas s'arrêter parce que dans son nouvel album, il y a cette chanson qu'on va entendre tout à l'heure. Laquelle tu fais quand je ne chante pas, non Ma vie dans la tienne. La nouvelle. Je sais que tu aimes quand je ne ouais, pas. J'aime bien cela. Je te ferai ma vie dans la tienne. Ma vie dans la tienne. Ma vie dans la tienne, on va l'entendre tout à l'heure. D'accord. L'album est sorti en novembre dernier, très bien accueilli. Il faut dire qu'il est absolument magnifique, cet album. Ah ouais. On sent que c'est l'album d'une certaine renaissance, si je puis dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est un album qui est un peu né dans le silence, étrangement. C'est un album qui est né au moment où j'ai eu une difficulté de santé. Et c'est drôle, j'ai eu la sensation d'avoir une seconde première chance en réécrivant, en rechantant, en recommuniquant par le biais de la musique. Et c'est pour ça que je l'ai écrit sans filtre, qui est une chanson sur ma fille, sur mon mari, sur ma famille, une chanson sur ma meilleure amie d'ailleurs, qui est Ma vie dans la tienne, et que je me suis peut-être livrée, peut-être un peu au-delà de ce que j'ai fait jusque-là dans ma carrière, et avec une volonté simplement d'être, pas de faire un truc en particulier, mais juste être moi. Et donc ce sont de grandes déclarations d'amour à passer, à volonté, voilà, autant qu'on en a envie. On sent que Lara Fabian est libérée, et d'ailleurs c'est peut-être aussi ce qui vous a permis ce soir d'interpréter « Ah, si tu fermais ta gueule », parce que si tu pouvais fermer c'est ta gueule. C'est pas une interprétation, c'est un chef-d'œuvre. On va retrouver Lara Fabian tout à l'heure. Mais merci, votre nouvel album « Ma vie dans la tienne » est en tête des ventes, ce qui est tout à fait justifié. Vous serez en concert au mois de mars 2016 et au Palais des Congrès. Palais des Congrès, le 3 juin 2016. Ne manquez pas ce rendez-vous. On vous retrouve tout à l'heure, chère Lara, pour écouter « Ma vie dans la tienne ». À tout à l'heure, chère Lara. Tout à l'heure, ma puce. Comme on dit chez nous, il y a tout. On jette. Allez, je te propose, mon cher Patrick, de retrouver maintenant Kenji Girac. Il nous interprète son nouveau single « Les yeux de la mama ». Mesdames et messieurs, Kenji.